Bonjour, bienvenue pour une nouvelle chronique Vie Éco. Cette fois-ci, le cas d'un manager qui n'est pas du tout satisfait de la manière dont ses managers vendent les changements. Vous pensez que vos managers ne savent pas vendre les changements? Vous ne voyez pas les résultats sur le terrain? Mais dites-moi, cher grand boss, est-ce que vous savez vendre le changement à vos managers? Est-ce que ce que vous leur dites est suffisamment clair, concis? Est-ce qu'ils le comprennent? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'ils se sentent à l'aise pour vous dire « Hey boss, j'ai rien compris à votre slide numéro 147 dans lequel il y a au minimum 7 ou 8 mots qui veulent rien dire ?» Donc assurez-vous d'abord que vous-même, cher Mr. Boss, savez vendre le changement avant de le demander à vos managers. Pourquoi cela? Parce qu'on ne peut pas porter une parole que nous n'avons pas comprise. Et c'est sans doute le cas de vos managers qui ne pourront pas vendre un changement qu'ils n'auront pas compris. Lorsqu'on est sur le terrain et qu'on doit annoncer des nouvelles pas si faciles que cela, il nous faut un argumentaire. Alors, si vous voulez vraiment faire œuvre utile dans votre conduite de changement, accompagnez vos managers pour qu'ils aient un argumentaire et des réponses claires et nettes aux questions que vont se poser vos collaborateurs. Et oui, le changement, ce n'est pas des PowerPoints, ce sont de vraies questions qui concernent de vraies personnes et de vraies situations. Et donc, il est important de préparer et d'aider vos managers à répondre à toutes ces questions. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Vie Éco en vidéo et toujours dans les kiosques.